Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un cours très important qui s'intitule « Les groupes dans la phrase ». Notre objectif est donc d'identifier le groupe nominal sujet, le groupe verbal et le groupe complément dans une phrase. Dans la phrase, les mots peuvent être regroupés selon leur fonction. Il existe trois fonctions principales. Le groupe nominal sujet, le groupe verbal et le ou le, les groupes compléments. Le groupe sujet est indispensable. Il ne peut pas être supprimé ni déplacé. Il regroupe les mots qui désignent qui ou de quoi on parle dans la phrase. Le groupe verbal est lui aussi indispensable. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Il correspond à ce que l'on dit du sujet dans la phrase. Il contient le verbe, mais pas que. Il répond à la question « qu'est-ce que j'en dis ?» Enfin, les groupes compléments sont quant à eux supprimables, déplaçables. Il existe même des phrases qui n'ont pas de groupe complément. Ces groupes de mots répondent aux questions « où ?», quand, comment, pourquoi et d'autres questions encore. Using Powtoon.